Thank you.
Aujourd'hui, restons pacifiques. J'entends votre message, je le comprends. Et d'un autre côté, on n'arrête pas de scander liberté. Ensuite, on part sur une Marseillaise, aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Et on se rend pas compte que liberté, c'est un mot qui implique beaucoup quand même. C'est un mot, en 1789, gouverneur Lannes, il avait rien fait, il s'est fait couper la tête. Ça a été le sacrifié pour la liberté. Le roi, c'est la même chose, il fait s'est couper la tête. Après 14, la Marne, l'Aisne, Verdun, combien qui sont morts face aux Allemands? 39-45, combien de résistants qui sont morts? Un Tramino Angevin. Le mec il s'arrêtait juste pas aux arrêts où il y avait des SS et des Allemands. Pareil, exécuté. Exécuté. Ensuite, la même chose, Victor Châtenay, maire Angevin. Béchu devrait s'en inspirer. Résistant. A été décoré de la Légion d'honneur. Vous croyez qu'il a combattu dans la pacificité? Quand le gouvernement viole les droits du peuple, il est le devoir du peuple de s'insurger. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, qu'on restera dans la passivité, rien ne changera. Ok. Résistance, 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 résistance.